Et hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul AliExpress. Du coup, je vais vous montrer les derniers petits achats que j'ai fait, toujours pour le super défi. J'ai commandé surtout quelques petites partielles, enfin des. À part ça, voilà, qui est une grande toile. Sinon, des petites choses pour agrémenter le défi. Parce que c'est vrai qu'entre. Pour changer un petit peu des fois, parce que là je vais me lancer dans des grandes toiles entre celle de Noël et celle du thème d'après, qui va être la toile de Notre-Dame de Paris de chez Dac, donc qui est très très grande, donc qui est pour le thème de janvier-février paysage, mais que je peux donc débuter le 1er novembre, puisque c'est une nappe qui fait 70 par 98. Voilà, je vais avoir des grandes toiles, donc j'avoue que entre deux, pour pouvoir poser, faire un petit truc, gagner quand même quelques points supplémentaires entre deux à mon équipe, j'ai pris des petits projets partiels. Alors on va commencer par ça. Alors, c'est une petite planche. Alors je l'ai sortie pour la mettre à plat de stickers de Noël. Et elle est toute. Alors ça, je n'avais pas vu sur le site, mais elle est complètement. Ouais, là, vous voyez bien. Elle est complètement pailletée. Donc, on a. Je vous la montre. L'image en non pailletée. Voilà. On a un petit renne de Noël. Une petite chouette. Un cadeau. Un patin. Un petit Père Noël. Et un petit pingouin. Donc, ça y est. T'es là-dedans. Donc, plié en deux. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise à plat. Que j'avoue qu'au milieu, bon. Donc, vous avez dans la petite boîte un toolkit, bon, de base, hein, je déballe pas. Et les diamants, c'est que des strass, mais c'est des gros strass. Donc, ça va être chouette. Ça va être rapide à poser. Vous avez la lettre, sur le même endroit, hop, directement sur le sachet. Donc, voilà, vous voyez les couleurs, il y a un peu d'orangé marron. Un jaune pâle, un jaune plus clair, du orange, du vert, du rose. Il y a du rouge au milieu, je crois. Oui, ça semblerait logique. Donc, voilà ce petit lot. Donc, je vais juste ranger les diamants. Que ça, je vais la laisser à part à plat. Alors, après, par quoi? Alors. Continuer avec ça. Ça, par contre, j'ai regardé et je suis un peu déçue. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas fait attention. Donc là, vous avez un toolkit de base et une petite ficelle. C'est une suspension. Sauf que je n'avais pas vu qu'elle était en carton. Je pensais avoir en fait un truc en plexi. Donc là, bon, le papier, il est mal posé en plus, mais bon, du coup ça arrive un petit peu plié, là vous voyez, elle est un petit peu enfoncée. Voilà, je suis un peu déçue, je pensais que c'était je sais pas, du carton, c'est je sais pas, c'est un truc un peu mou, c'est un peu doux, mais ouais, c'est voilà, je pensais avoir une plaque en plexi. Donc comme vous voyez, c'est pour Noël, il y a écrit Christmas. Donc là vous voyez, pareil, petit projet. Je vous montre les diamants, parce qu'il y a quelques diamants spéciaux. Y a des étoiles. Voilà aussi, par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais. Du coup, ça a pris cher, un petit peu cher dans le transport et c'est un peu affaissé. Donc là, à mon avis, pour poser un diamant, c'est un petit peu compliqué. Ah oui, là, j'ai une étoile. Ah ouais. Ah ouais, j'ai des étoiles pour quelques endroits là, là, ici. Newton, tu pourrais pas prendre un autre moment pour boire un petit coup. Alors, donc les étoiles sur ce projet sont argentées. Il y a tellement de lumière, j'arrive pas. On a des gros strass rouges. Alors, attendez, parce que c'est tout flou. On a des argentés,
on a des classiques jaunes. Alors, attendez, il y a tellement de lumière que ça a du mal. Voilà. Ouais, jaune un peu... Comment dire, pas très éclatant, quoi, un peu pâle. On a des verts sapins, on a des jaunes un peu plus éclatants, des argentés et des rouges. Donc ça, voilà, comme pour Noël, je voilà, ma toile est assez grande et que du coup, je vous ai dit, je vais commencer aussi ma grande toile de Notre-Dame. Du coup, je me suis dit qu'avoir un petit projet comme ça, c'était sympa. J'ai aussi une couronne que j'avais achetée l'année dernière, qui n'est pas faite, qui sera à faire. Mais bon, à voir si j'ai le temps de tout faire, ça va être une autre histoire. Alors, on va ranger ça là-dedans. Mais oui, ça a déçu. Je pensais vraiment que ce serait une plaque en plexi. Je trouve ça quand même plus propre. Et puis, bon, bah, ça arrive. C'est un peu moins fragile, on va dire. Donc, ça arrive plus entier en général. Allez, on va passer à quoi ? À ça. Donc ça, hop, dans un petit truc mousse. Alors là, heureusement que ça n'a pas trop été abîmé, parce que là, pour le coup... Attends, est-ce que je peux l'enlever sans... Non, je vais couper ça. Voilà. Ah. C'est une autre petite planche... deux stickers, enfin, je vais enlever ça dessus. Là, elle avait juste dans la petite enveloppe bulle, donc heureusement ça n'a pas été plié dans le transport. Donc voilà, pareil, elle est toute pailletée. Ah si, c'est prédécoupé. Donc là, il y a 9 stickers de Noël. Là, je vous montre la petite image sans les pailletés. Des choses classiques, hein, la petite bougie, le petit elfe, le petit ourson, sapin, le petit sucre d'orge, la petite couronne. Et comme pour l'autre, en fait, ce sont des grosses traces. J'ai fait le point. Donc, il y a des verts, des oranges, des jaunes, des rouges. Alors, il y a des bleus dans le fond, des argentés, des dorés. Et le toolkit, bah, un toolkit somme toute classique. Donc ça, c'est pas mal, ça va faire... Bon, ça fait qu'un petit point par planche, hein, mais bon. En plus, c'est des grosses traces, donc par contre, ça va être très sympa à faire. Ça va changer un petit peu des, bah, des petits diamants, tout bêtement. Voilà, donc ça, parfait. Je vais pouvoir le mettre, hop, avec l'autre petite planche de stickers. Allez, je vais vous montrer là. Je vous montrerai la grosse toile l'an dernier. Alors, pour ce fameux défi dont je vous parle sur plusieurs vidéos, Mademoiselle Emma, qui l'a mis en place de la chaîne Les Folies de Emma, a rajouté un petit truc en plus, c'est-à-dire un bingo. Alors, comment ça marche? On a fait ensemble un tableau, en fait, avec... je crois qu'il y a 4 colonnes et 4 lignes, et en fait dans ces colonnes et dans ces lignes on a mis là on va commencer avec le début de Noël, on a mis tout ce qui nous est pensé à Noël, donc les guirlandes, les boules, le sapin, la couronne, le Père Noël, les étoiles, enfin voilà, on a mis des thèmes, et si en fait la toile que vous faites remplit avec ce qu'il y a dessus, soit une ligne, soit une colonne, soit une diagonale au niveau des motifs dessus, elle fait bingo. Et ça permet de doubler les points de sa toile. Donc, moi, ma toile que j'ai commencé de Noël, qui est juste ici. Voilà, j'ai fait un live Twitch dessus l'autre fois. Elle fait bingo. Donc voilà, au lieu de 20 points, elle va rapporter 40 points à mon équipe. Et... la grande toile qui est là-bas aussi. Alors, je l'ai acheté express. Alors là, nous avons une petite partielle
Donc bon, ça, hein, tout le kit de base, ça change pas. Alors, où est celle-là? C'est une 30-40, bon alors bord inclus hein, bien sûr, avec une petite chauve-souris, je trouve trop mignonne. Il y a 12 strass différents. Oh, il y a... oh, c'est sympa. Alors, je vais vous montrer ça. Parce que j'aime bien voir les diamants spéciaux. Je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup poser des diamants spéciaux, justement. Souvent, poser des strass ou des diamants, ça change pas grand-chose. Mais les strass, j'adore. Alors, nous avons des AB bleus. Alors, vas-y, fais le point. Voilà. Des argentés, des roses, des verts, des bleus turquoise, un beau orange, c'est très beau. Alors voilà, on commence les strass spéciaux, donc on a le voilà, plus gros argenté, on a des petites navettes vertes. Est-ce que vous voyez bien la couleur? Ouais, ça paraît un peu pâle peut-être pour vous. Vas-y, fais-le. Très joli, il y en a des... Il y a des gouttes comme ça, iridescentes. On a des grosses gouttes oranges. On a, alors, je ne suis pas rose, mais elles sont très belles. Des gouttes roses fastées comme ça. Et des très, très gros. Mais ceux-là, ils sont... Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, on dirait presque qu'il y a une étoile, en fait, dessinée dessus. Allez, vas-y, fais le point. Vous voyez, sur celui-là. Il est ils sont fastés un peu, j'ai l'impression, différemment de... Parce que j'ai déjà eu pas mal de gros diamants comme ça, mais celui-là, j'ai l'impression que le... ouais, la façon dont il est taillé est un peu... un petit peu différente. Donc ça va être très, très sympa. Alors celle-ci, je vais voir. Si j'ai le temps de la faire là, dans le thème Halloween, bah, je la ferai là, parce qu'elle rentre tout à fait dans le thème. Voilà. Ça, c'est sans problème. Et si jamais j'ai pas le temps de la faire maintenant, elle rentrera dans le thème animaux. Ce sera pour août 2023. Alors, celle-ci, bah, ça va être pareil. Une petite partielle. J'avoue, ça fait du bien de faire des petits projets pour avoir le plaisir de les voir terminer rapidement. En fait. Et pour les diamants spéciaux, parce que moi, j'adore. Mais aussi pour le fait de les finir rapidement. Quoi. J'ai pris cette petite licorne qui est toute choupie. Donc ça, c'est pareil, hein, qui peut très bien rentrer dans le thème de maintenant. Fantastique. Oula, attends. Hop, hop, on se calme. Je vais la replier dans l'autre sens. Donc, de toute façon, après, là, je vais les... comme j'ai fait avec toutes mes autres toiles. Du coup, pour le défi, j'avais tout mis à plat et j'ai rangé les diamants à part. Voilà, histoire de les remettre un peu à plat quand même. Alors, au niveau du toolkit, bon bah, ça c'est basique. Oh, il y a 2-3 sachets dedans, ça c'est cool. Et pour les diamants, alors ça s'ouvre. Alors les fleurs, c'est avec des gouttes, mais là c'est pas des micro-gouttes, c'est des gouttes géantes. Alors, alors nous avons des strass argentés, des jaunes. Oh, décidément. Dès qu'il y a trop de lumière, j'ai l'impression qu'il y a du mal. Hein. On a des verts comme ça, j'aime beaucoup. C'est pas du vert sapin, c'est un peu plus clair, un peu turquoise, j'aime beaucoup. On a un rose pâle, on a un rose plus pétant, on a une espèce de marron clair, je pense, un vert sapin clair, un marronné un peu plus foncé, on a des AB noirs, on a quelques micro-gouttes argentées et on a comme sur l'autre des grosses strass roses. Alors ça, ça va être, je pense, pour faire les grosses fleurs. Le 11, oui, voilà, ça c'est pour faire, attendez, hop, 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 voilà, c'est pas facile, les grosses fleurs là, qui sont là, donc ça va être très, très sympa, donc ça c'est pareil, voilà, soit pour ce thème,
Et si ça passe pas pour ce thème, bah ça passera pour le thème animaux, hein, j'ai envie de dire. Comme là, c'est vrai que j'ai des grands projets pour ceux d'après. On va voir ce que j'ai le temps. Allez, j'essaie déjà de finir mes toiles. Alors. Bon, allez, je vous en montre une pelle. Alors, ça, je l'avais commandé avant. Pareil, pour rentrer dans le thème animaux, mais voilà, comme dans ce thème, j'en ai énormément à voir ce que je vais faire. Celle-ci est en promo, je crois, sur Ali. Alors, c'est une 30-40 bord inclus. Alors, on va essayer de rouler ça un petit peu dans le temps. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, ça devrait aller. Ce sont deux perroquets. Je vous montre l'image le plus près. Bon, deux perroquets magnifiques avec de très belles couleurs. Alors, par contre, je suis pas. Alors, attendez, je vous montre l'impression. Alors, c'est très clair. Hein, c'est imprimé très très clair. Ça, il n'y a aucun souci de lisibilité. Par contre, moi, je ne suis pas fan de quand ils mettent les ronds autour des symboles, parce que des fois les diamants se décalent légèrement et en fait après ça se voit, et franchement c'est pas bon. Après c'est une petite 30-40, hein, je dirais, je vais pas l'exposer donc c'est pas très grave, mais j'avoue que à la limite je préfère les impressions en carré, à la limite, parce qu'au moins quand vous posez le diamant, bah en fait autour du diamant vous avez la couleur correspondante. Donc quand vous avez votre toile, bah, le fond est voilà, de la couleur. Et il n'y a pas. Même s'il se décale un petit peu, vous ne voyez pas le symbole en fait, dessous, parce qu'il n'y a pas de rond. Et le symbole, il faudra vraiment qu'il soit très très décalé pour le voir. Donc je trouve ça plus sympa. Là par contre, c'est des diamants classiques, donc je ne vais pas vous les déballer. Les couleurs, bah, il y a un petit peu tôt. Hein, ils sont très, très colorés, ces petits oiseaux. Donc voilà. Thème animaux ou peut-être. Ouais non, ça rentrera dans animaux. Mais bon, j'avoue qu'animaux, j'en ai pas mal, donc à voir ce que j'aurai le temps de faire. Je privilégierai peut-être les toiles que j'ai depuis un petit moment qui m'attendent. Voilà. Allez, on va continuer sur les petits partiels. Et après, je vous montrerai la grande toile. Et je vous montrerai également un petit projet que j'ai terminé pour ma mamie, hein, ce que j'avais commandé pour elle. Alors, cette toile, comme vous voyez, c'est un cœur. Donc pour le thème janvier-février, il y a le thème amour. Alors mine de rien, c'est une petite 30-30 bord inclus. Il y a 10 traces différentes. Mais je ne sais pas, je vous la montre plus près. Donc il n'y a que les bulles à l'extérieur qui ne sont pas diamantées. Par contre, tout le reste est à diamanter. Donc je pense que mine de rien, il y a quand même pas mal de diamants à poser. Hein. Un petit toolkit basique. En plus, j'ai réussi à me débarrasser de mon stock. Au pire, je ramènerai cela à la maîtresse. De ma fille qui m'a dit qu'éventuellement, on pouvait mettre de la peinture, de l'encre ou je sais quoi dedans. Donc parfait, on a fait un peu de place. Au moins, au lieu de jeter, c'est réutilisé. Donc franchement, c'est top. Si on en a trop pour elle, elle peut partager avec les autres maîtresses. Franchement, moi, tant que je m'en débarrasse. Oh là là, c'est beau ça. J'aime beaucoup. Alors, nous avons des strass. Attendez, mais c'est encore flou. Il aime pas quand il y a trop de lumière, ce truc. On a des beaux strass violets. On a une espèce de orange marron. On a un beau bleu, un fer sapin, un moins rouge, un peu plus chat. Alors là, on a. Bon, ça, c'est classique, hein, les petites navettes argentées comme ça. On a les petits ronds pareils. Là, on en a des. Alors, vas-y, fais la mise au point pour moi. Non. Oh, capricieux aujourd'hui. On en a des violets très très beaux.
croyais que c'était les mêmes. Là, on a des micros. Non, pas des micros. On a des gouttes. Un peu jaune, verte. Et là, on en a des très grosses bleues. Elles sont magnifiques. Oh, j'adore. Où est-ce qu'elles vont, là? Là, je pense qu'elles vont là. Dans les ailes des papillons, ici, là. Moi aussi. Ça va être magnifique. J'adore poser les gros trucs comme ça. Je le fais à la pince en général. Attendez, je vais en mettre trop, je pense. En général, ces trucs-là, je les pose à la pince. Ça, je les pose bien droit. Même les micro-gouttes, hein, moi, je pose à la pince. J'avoue que pour les poser droit, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable quand même. Donc ça, bah, ça ira sur le thème de janvier, février, de la Saint-Valentin et de l'amour, bien évidemment, vu que c'est un cœur. Alors, celle-ci ira dans le même thème. Et c'est une petite elfe avec des cœurs. Voilà, tout autour. Un petit oiseau sur la main. Alors, on a un tout le kit de base. Ah, avec une petite pince plastique. Bon, qui pince pas grand chose. Mais voilà. Au moins, elle est là. Si vous n'en avez pas du tout, ça peut toujours faire rire. Alors, qu'avons-nous comme strass ? On a des strass rouges classiques, on a des roses, des verts, toujours pareil, des espèces de marron là. On a des foncés, par contre, on a des noirs. Oh, attendez, c'est quoi la différence? Alors, il y en a, ceux-là sont gris, ceux-là sont noirs. Donc, on a notre marron plus clair, on a des beaux bleus. Oh, il me saoule avec sa mise au point aujourd'hui. Là, là, on a des oranges rouges. Là, on a des oranges comme ça. Alors, attendez, là, ils sont à l'envers. Oh, ça, c'est trop joli. Oh, j'en ai jamais eu, je crois. Regardez, on a des roses. Bon, vas-y, fais la mise au point, là. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a des... C'est marrant, ils sont... Attendez. Ils sont... Je sais pas si vous voyez, ils sont pas ronds, ils sont ovales, ceux-là. Et on a des navettes comme ça, orange, rouge. Magnifique. Alors, attendez. Où est-ce qu'ils vont aller, les roses, là? Les roses. C'est les 11. Ah, bah, ils sont généreux, parce qu'ils m'en ont donné 4. Et en fait, la seule rose qui va aller, elle va aller ici dans ses cheveux. En fait, le gros rond, là. On a une fleur autour. C'est pour ça. Et c'est pareil, les trucs ovales que je vous ai montrés, à mon avis, il n'y a que là, sur sa montre. Bah, écoutez, c'est très bien. Ça a grandi ma collection de... ma petite collection de strass spéciaux. Parce que du coup, je les garde, comme j'ai déjà eu des soucis... sur un projet d'avoir reçu malheureusement les mauvais diamants et en plus d'être tombé sur un mauvais vendeur qui a eu la mauvaise foi et qui n'a pas voulu me renvoyer les diamants ou voilà. Donc je garde tout, mais je vais peut-être vous les montrer, comme ça j'en profite. Tous mes strass spéciaux dans des petites boîtes. Comme ça au moins je peux vous les mettre de droit sans. C'est des petites boîtes que je trouve chez Action qui sont vendues par lot de 3 ou 4. Vous avez 3 ou 4 petites boîtes comme ça. Donc vous ouvrez ici et il y a 8 compartiments. Donc, je pense qu'il faut éviter quand même de les retourner au possible. Parce que ça peut passer de l'un à l'autre. Mais bon, à la limite, si vous mettez des tailles ou des couleurs différentes, au moins même si ça se mélange, vous pouvez les retrouver. Donc là. Vous voyez, il me restait tout ça d'un projet de strass comme ça. Bah, je les ai mis dedans.
Voilà, et comme ça, je garde tous mes strass. En plus, comme c'est transparent, c'est hyper pratique, je sors tout. Et j'ai plus qu'à regarder dans mes petites boîtes si j'ai déjà ou pas quand je range. Donc franchement, voilà, super pratique. Donc voilà, là en général, il en reste sur les projets comme ça. C'est pareil, ils m'en ont mis 6, je crois, ovales, alors que j'en ai besoin que d'un. C'est parfait, ça me fait du raf, comme ça, en cas de souci sur un projet, je peux bidouiller et voilà, faire moi-même. Allez, on va passer à celle-ci. Donc c'est une grande toile. Elle est en diamant rond. Elle fait bingo. Enfin, normalement. Alors, on a eu un petit toolkit comme ça. Une barquette blanche avec le bac verseur. Le stylet en gros pain de cire. Quelques sachets zip. Bon, la petite pince qui pince sur rien. Mais petite pince quand même. Pourquoi une pince? Oh oui. Bon. On va quand même mettre. Alors, attendez. Dans ce sens-là, oh, je pense que je vais la rouler dans l'autre sens pour qu'elle reste à plat. Alors, par contre, je ne sais plus chez qui je l'ai prise, chez Ali. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous allez voir, la toile, elle est vraiment très douce. En fait, d'habitude, on a des toiles bah, quand même plastifiées. Et là, franchement, la toile est très douce en dessous, donc c'est... Alors, voilà. Alors, est-ce que ça rend bien? Oui, à l'écran, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Donc, c'est une toile de Noël. On a la couronne, le sapin, l'étoile, les guirlandes, le feu de cheminée. On a le petit fauteuil, les cadeaux. Alors, attendez, je vais vous essayer. Donc, on a deux, comme d'habitude. Liste des symboles et des trucs et des DMC, pardon. Il y a 39 couleurs pour les diamants. Ah, mais il y a une feuille de route. Alors, hop. Ils sont en sachet zip, donc franchement, c'est super sympa. Oh, j'avais oublié. Ah, je me demande si je l'ai pas pris chez. Alors là, il y a écrit ça sur la toile. Alors, je sais plus si c'est le nom de la boutique, Maurie Run. Et il y a des AB sur cette toile. Ah oui, je me rappelle plus. La nana et sa tête. Il y a une feuille de route comme ceci. Alors, l'image, bon, ils l'ont mis en tout petit, mais elle est là quand même. Voilà. Petite scène de Noël. Donc, normalement, j'avais regardé, elle faisait bingo. Alors, attendez, par contre, il y a des AB, mais je ne sais pas du tout combien. Du coup, ça, c'est pas AB, ça, c'est AB, ça, c'est AB. Attendez, je crois que j'essaie juste de vous extirper les AB pour vous montrer. Ah, c'est très sympa, j'avais complètement zappé que je l'avais pris chez ce vendeur parce qu'il y avait des AB. Bon, après j'ai des AB en stock, donc je peux toujours bien évidemment rajouter. Alors celui-ci il n'est pas AB, mais alors il est orange pétant. Il doit aller à mon avis dans le feu de cheminée parce qu'il est vraiment, vraiment pétant. Alors, donc là sur les sachets, vous avez le numéro de la couleur et la DMC. Et à côté ça doit être le poids. Je pense. Donc c'est vrai qu'en sachet zip, on peut pas vérifier les quantités, mais bon, de toute façon, dans les sachets, comment dire, les petits sachets ribambelles, c'est pareil, hein, il n'y en a pas le même nombre tout à fait de trucs. Donc, alors, bah, j'ai 4 AB sur cette toile, a priori. Oh, bah si je fais tout tomber, on va y arriver. J'ai un jaune et un. Alors, il paraît très très blanc, mais il est crème. Hein. Voilà. Et j'ai bah, le rouge 666, voilà, il est très connu. Et celui-là, il est un petit peu plus jaune que l'autre. C'est un beige jaune, quoi. Voilà, j'ai 4 AB. Bon, après, je pense que ça va aller beaucoup dans la cheminée, non? 37, le M de côté.
Ah non, le rouge à dé, il va dans le... Il y en a là dans le nœud. Ah, ils ont mis dans le fauteuil, mais pas dans la cheminée. Ah, c'est marrant. Ils en ont mis ici aussi. Il y en a un petit peu là dans ce qui fait boule de Noël, là, mais il y en a un petit peu là et là. Mais oui, bon, je suis un peu étonnée qu'il l'ait mis dans le fauteuil, mais bon, pourquoi pas. J'espère juste qu'il y en aura assez, parce que le paquet me paraît pas si gros. Le 39, c'est un petit A, donc là effectivement on en a un petit peu dans la cheminée. Ah oui, eux il y a écrit R derrière, donc il y a 4 AB, donc le triangle et la petite barre. Ah oui, donc là effectivement les couleurs, le jaune là et les couleurs claires dans la cheminée. Il y a un petit peu de clair ici, ici. J'espère qu'ils en ont mis assez, j'ai l'impression de voir... Bon, on verra. On verra, on verra, parce que là il y a une petite bande ici, je vois qu'il y en a un petit peu là, de ce beige là. Je vois que là il y a un bloc, ici il y en a, ici aussi, là, là. Donc j'espère qu'ils en ont mis assez, parce que dans le sachet c'est pas foufou. Là il n'y en a pas beaucoup, donc je pense vraiment qu'il n'y a que dans la cheminée, il y en a quelques-uns à poser. Et je pense pas que... Un petit là, deux petits par là. Par contre, c'est... Je fais un. Non, c'est pas classé par contre, par rapport à moi, j'ai l'impression. Donc, sachez que c'est mis un peu... un peu à l'arrache one again, mais là il y a quelques... Ah non, même pas. Là il y a du blanc dans l'étoile, mais du coup c'est dommage, ils auraient peut-être pu mettre... Bon, je verrai les couleurs autour, si jamais c'est du jaune, je pourrais éventuellement mettre un peu de AB peut-être, à voir. À voir, à voir. Mais oui, je suis un peu étonnée qu'au final ils aient pas mis de rouge AB ici, pour finir de faire l'éclairage. Ou peut-être que c'est, ils en ont mis ici par rapport au reflet, mais bon, vu comment est positionné le fauteuil, j'ai envie de vous dire que normalement cette partie-là est à long, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis très contente, je ne me rappelais absolument pas que j'avais fait cette toile parce qu'il y avait aussi des AB dessus. Donc je suis ravie, c'est toujours cool d'avoir des petits AB en plus. Donc après, à voir. Après, c'est comme l'autre toile que je vous ai montré tout à l'heure. C'est très très net, ça, il n'y a aucun souci. Les symboles sont très nets. Il y a des pourcentages. Plusieurs types. Alors c'est confetti par contre, hein, je sens qu'elle va être longue à faire celle-là. Alors que je vais pas avoir le temps. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, tous les symboles sont... Même là, dans le violet. Franchement, les symboles sont très très clairs. Il n'y a pas de problème, mais c'est toujours ce fameux rond autour. Je préférais qu'il ait vraiment carré. C'est bien pour positionner, mais bon, dès que ça bouge un peu, du coup, on voit le trait. Pas ça top. Je suis très contente de ces petits AB, dont je ne me rappelais plus. Et je vous montre ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas résisté de commencer. Un des deux petits projets que j'ai acheté. Ça, c'est la faute des filles sur Discord et des mains. Voilà, c'est leur faute. Elles sont coupables. Comme je n'avais pas assez de choses avec le colo que je n'arrive pas à faire, j'ai un peu de cartes à gratter. Et voilà. Voilà. Un peu de points de croix. Alors, par contre... Je ne pensais pas m'y mettre parce qu'à la base, tout ce qui est couture et tout, ça a le don un petit peu de m'énerver. J'avoue que perdre deux plombes à faire un nœud ou un truc comme ça, c'est... Ou enfiler le fil dans le chat de l'aiguille, j'avoue que ça m'énerve.
Donc déjà, pour pas m'énerver sur le fait d'enfiler le petit fil, j'ai acheté. Alors celui-là, je l'ai acheté sur Amazon pour être sûr de l'avoir avant l'étoile. Un petit kit comme ça. Donc en fait, ce sont des enfils aiguilles. Vous avez. Alors, attendez. Vous allez voir quelque chose, c'est mon petit. Peut-être sur si je le mets sur la pochette, ça rendra mieux. Voilà. En fait, vous avez ça, donc vous passez dans le chat de l'aiguille, vous venez glisser le fil ici, et après vous le retirez dans le chat, et ça vous enfile le fil sur votre aiguille. Ça évite de perdre 200 ans, surtout que là, pour la broderie, ça c'est du... du 14 CT, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pris des toiles pré-estompées. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer celui que j'ai commencé. Donc c'est une petite licorne. Comme vous voyez, les couleurs sont affreuses, mais ce ne sont pas les couleurs. Par exemple, là, ici c'est bleu, mais le bleu c'est cette couleur. C'est du blanc. C'est juste pour que ce soit facile à repérer. Voilà. Donc dans le kit... il y a un diagramme comme ça. De l'autre côté, vous avez l'image. Donc, vous voyez les couleurs, rien à voir avec ce qui est pré-imprimé. C'est juste pour nous aider un guide. Vous avez là, comme pour l'étoile de DP, du coup, vos références. Pour le backstitch, ben moi, ça sera que du noir. Donc, voilà. Le backstitch, donc, pour ceux qui sont comme moi, qui sont nuls, qui débutent, ce sera les traits noirs ici qui servent à faire le tour. Voilà, vous voyez là par exemple son nez, tout ça, le tour de son œil. Voilà, si on ne le fait pas, c'est en général assez moche. Donc voilà. Donc ces étoiles, quand vous avez terminé le projet, vous les mettez un petit peu dans l'eau chaude et tout ce qui est peint justement sur cette toile va disparaître. Comme ça, vous n'aurez plus que votre broderie. Donc voilà, j'ai commencé, donc en fait ça va, puisque pour démarrer ou pour arrêter, on n'est pas obligé de faire des nœuds. Enfin, on peut s'arranger pour bloquer le fil avec les points. Donc voilà, comme je ne perds pas de temps à faire des nœuds et à enfiler mon fil sur l'aiguille, ça va. Faire les croix après, c'est pas un problème. Voilà, bon, je vous montre le dos. Bon là, je n'avais pas fait attention, j'ai fait un nœud, voilà. Je suis somme toute pas trop mal quand même, je suis plutôt assez contente de moi. Il y avait bien sûr dedans donc la petite réglette avec les numéros de couleur et les fils. Donc comme c'est du 14, oui c'est ça, c'est marqué là, 14 CT, et vous voyez il me reste une aiguille ici et moi du coup je m'en suis servi de une qui est à côté là. Donc 14 CT, donc on brode avec deux brins. Hop, je vais remettre ça dans le kit. Là, je vais le garder à portée de main. Donc, je l'ai commencé. Voilà, ça permet quand je suis vraiment fatiguée, contrairement à DP où je suis obligée d'être à table, au moins je peux me mettre un petit peu dans mon canapé. J'avoue que voilà, si j'ai trop mal au dos ou quoi. Je vais vous montrer ce deuxième petit kit. Donc c'est un petit renard. Pareil, hein, c'est des petits projets. Alors j'ai vu que par contre il existait, je sais pas si vous voyez, là il y a marqué coton et voilà. Donc il y a des toiles qui vous proposent, c'est du 14 CT aussi celle-là, c'est des petites 20 par 30. Ils proposent des fils en soie. Donc honnêtement, à voir ce que ça peut donner. Alors là sur celle-ci, putain, il est énorme. Donc on a le diagramme du haut comme ça et vous avez la suite, voilà, de l'autre côté. Là pareil, ah je vais avoir deux backsites à faire. Ah oui, j'en ai en blanc et j'en ai en noir, d'accord. Ok, bon, ok. Ok, ok. Alors celui-là, je ne l'avais pas ouvert. Hein. Tac. Alors, nous avons... ah, mais il est plus... il est quand même plus... bon, attendez, je vous montre par rapport à l'autre. Il est quand même plus gros. Il a bien mangé à la cantine.
Mais ils étaient vraiment trop choupis. Bah, l'avantage du pré-imprimé, c'est qu'il n'y a pas besoin de compter. Il n'y a pas besoin de voilà, se galérer pour se mettre sur sa toile, bien centré, être sûr d'avoir la place. Au moins, c'est pré-imprimé, donc vous voyez, vous avez. Voilà, après, c'est pas hyper net, hein, c'est pas comme le DP, hein. Voilà, vous avez les tableaux ici. Là, vous avez pour le backstitch, pareil. Mais il est trop mignon, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, on a. Hop. Ah, attendez. Attendez, attendez, il y en a des deux côtés. Donc là, on a une grande réglette comme ça. Avec donc, toute la panoplie de couleurs. Hein. Donc, pas beaucoup de marron quand même, hein, mais bien évidemment. Voilà. Ça fait une bonne quantité de fil déjà. J'imagine même pas. Je viens de commander une autre toile en hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, en 50 par 50. Ça va me prendre une éternité. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on occupe les soirées. Donc voilà, franchement, pareil, il y a deux aiguilles dedans. Franchement, je suis contente, c'est trop mignon. Donc la petite licorne, là, je l'ai commencé pour le défi, parce que du coup, pour le défi, nous avons rajouté le colo, les cartes à gratter et le point de croix pour pouvoir attribuer les points aux équipes. Donc voilà, si vraiment ça vous tente, si vous n'aviez pas, si ça vous tentait, mais que vous, voilà, vous aviez plein de choses, vous ne l'avez pas forcément, là vous avez le choix de vos loisirs, vous pouvez passer d'une toile de DP à un colo, à une broderie, à des cartes à gratter. Enfin, voilà, on a fait ça comme ça, personne ne se lasse, personne n'est frustré d'avoir des loisirs créatifs en attente. Le seul truc, c'est qu'il faut toujours respecter les thèmes. Donc si jamais par exemple celle-ci, je voulais la faire dans un thème, je ne pourrais la faire que, je crois que ça doit être juillet, août, le thème animaux. Voilà, je ne pourrais la faire qu'à ce moment-là, si je veux vraiment la faire dans le thème. Après, bon là j'ai mis ma petite licorne parce qu'elle est toute petite. Je l'ai mis là dans le thème fantastique, vu que je venais de la recevoir, etc. Donc. Je l'ai mis dedans, pas sûr que j'ai le temps de la finir, on verra. Voilà. Parce que j'ai quand même les toiles à faire, donc. Ça rentre cette petite pochette, oui. Alors, on va essayer de ranger ça correctement. Le petit fil à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça a l'air pas trop mal. On va remettre ça dedans. Donc après, voilà, le fait de. Moi, c'est vraiment le fait de faire des nœuds pour insérer le fil au départ. Que je mettais 220, j'étais pas très douée. Donc j'avais tendance un peu à. Enfin, ça m'énerve de perdre du temps. C'est pour ça que j'aime pas tout ce qui est couture et tout. Perdre du temps vraiment juste pour ça et pour comment dire et pour enfiler le fil sur l'aiguille. Ça, j'avoue que ça m'énerve de fou. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi vous faites de la broderie, si du coup vous voulez me rejoindre. Vu qu'on a mis plein de nouveaux loisirs, je vous montre un petit projet terminé. Également, j'ai fait ce petit, comme vous voyez. Alors, je pensais ça beaucoup plus petit, hein, comme c'était un porte-monnaie. Donc, je verrai bien, on fera ce qu'elle veut. Pour ma mamie, comme elle adore les chouettes. Bon, ça, je crois que c'est un hibou parce qu'il a des oreilles, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Et là aussi, et du coup, j'ai commencé, mais c'est en cours. Cette petite. Horloge, c'est pareil, vous avez le mécanisme qui viendra ici après. Donc voilà, j'ai commencé ça pour ma mamie pour lui offrir à Noël. Et puis j'ai commencé la petite housse de coussin aussi que je lui avais prise. Donc voilà, je m'active. Je ne sais pas si on peut demander à Papa Noël de ralentir le temps le soir après le boulot pour avoir le temps de tout faire, mais en tout cas.
En tout cas, voilà où j'en suis. Pour le défi, n'hésitez pas. Je vous mets le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre. Ou même si vous ne voulez pas participer au défi, mais que vous voulez venir papoter, vous aussi nous montrer vos réalisations. Il n'y a aucun problème, on a un petit groupe, l'ambiance est géniale. On papote tous les jours ensemble, donc voilà. N'hésitez pas si vraiment ça vous intéresse. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais aller vous tourner un autre petit unboxing. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!